Youssouf Diomandé, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Salut à tous ceux qui sont connectés. Soulé Major, salut à toi depuis ta position. Partagez le direct, partagez le direct. Voilà. Salam alaykoum à toi, ma très chère grande sœur, Adia Konaté Doumbia Touré, salut à toi. Bayo Drissa, salut à toi depuis ta position. Gra Marie, salut à toi depuis ta position. Voilà. Dri Londri, salut à toi depuis ta position. Salut à tous ceux qui sont connectés. Moussa Bamba, mon très cher frère. Ado le bâtisseur, salut à toi depuis ta position. Partagez le direct, chers frères et sœurs. Je viens dans ce direct parce que nous devons éclaircir quelque chose. Dans nos directs d'hier, sinon depuis le putsch du Niger, nous avons vu la déclaration conjointe du Burkina et du Mali. Et le lendemain, nous avons vu une déclaration d'une dame qui disait qu'elle était en train de parler au nom qu'elle était le, je sais pas, porte-parole du gouvernement guinéen. Ma très chère maman, Sita Kone Traoré, salut à toi. Yacouba Sanou, salut à toi depuis ta position. Soma Kamlos, salut à toi depuis ta position. Salut à tous ceux qui sont connectés. Et quand nous sommes allés vérifier depuis hier, le ministre de la communication de la Guinée est sorti pour dire que cette dame qui a parlé au nom de la Guinée, le gouvernement guinéen et l'État guinéen ne sont pas au courant de ces déclarations et ne se reconnaissent pas dans ces déclarations. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est vrai ou bien si c'est faux? Nous sommes assis. Alias se demander salut à toi depuis ta position. Augustin Kouaou, salut à toi depuis ta position. Traoré Koniba, salut à toi depuis ta position. Nous avons fait essayer de faire deux analyses. Et on s'est rendu compte que dans la réalité, parmi ces deux pays-là aujourd'hui, c'est-à-dire sinon parmi ces trois pays, la Guinée, la Côte d'Ivoire et la Guinée, le Mali et le Burkina, le seul pays aujourd'hui qui a une petite stabilité après leur coup d'État, c'est la Guinée. Parce que celui qui dirige la Guinée-là, on n'a pas besoin de nous dire que c'est un soldat. Parce que la preuve en est, il ne parle pas trop. Dans la réalité, celui qui est un soldat ne parle pas beaucoup. Mon très cher grand frère, Abou Chérif, salut à toi depuis ta position. Le président, c'est-à-dire celui qui dirige aujourd'hui la Guinée, ne parle pas trop. Et c'est le pays aujourd'hui, parmi ces trois pays-là, qui a au moins une petite stabilité sur le plan sécuritaire. Là, on va mettre le transitaire, salut à toi depuis ta position. Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Quand on dit à chaque fois que les panafricains, c'est une école de mensonges. C'est une école de falsification de l'histoire. Ils sont allés faire sortir une dame. Et effectivement, quand tu regardes le direct, la différence entre la déclaration du ministre de la Communication, celui qui a parlé au nom du Burkina et du Mali, la différence, c'est que celui-là se présente dans un journal. Et le journaliste lui donne la parole. Par contre, dans l'autre cas, on voit une dame qui sort et qui donne une communication. On ne sait pas qui la personne représente. Elle se met dans un treillis. On se rend compte qu'effectivement, elle ne parle pas au nom des autorités guinéennes. Mais qui est cette dame-là? Qui l'a fait sortir? Si ce n'est pas ces soi-disant panafricains qui sont dans le mensonge. Et pour cause, même quand tu t'en vas regarder, c'est soi-disant pas chaîne panafricaine, ceux qui parlent.
Il est difficile qu'on se retrouve, il est difficile qu'on retrouve les déclarations de cette dame. Et tous s'y parlent, ils disent oui, la Guinée a déclaré qu'ils vont se mettre ensemble. J'ai dit, déjà même le Mali, ceux qui ont fait la déclaration pour dire qu'ils vont soutenir le Niger, là. Aujourd'hui, la population même du Niger, celui même qui dirige le Niger, là, a compris qu'il ne peut pas compter sur eux. Parce que le Mali dit qu'ils vont donner des soldats pour aller aider le Niger. Ils n'ont même pas 2000 soldats. Ça dit que vous voulez aider des gens. Vous, vous n'avez même pas 2000 soldats. Mais c'est là aujourd'hui que le peuple malien doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Le peuple malien doit se poser la question. Ça veut dire que vous vous plaignez dans votre pays. Vous dites qu'il n'y a pas de sécurité dans le pays. Et ceux qui vous dirigent, des menteurs, disent qu'eux, ils vont aller aider un autre pays. Ils vont aller aider un autre pays. Mais est-ce que vous croyez à ça? Ça dit des gens qui ont d'abord un problème de sécurité dans leur propre pays. Des gens qui ne sont même pas capables de sécuriser leur propre pays. C'est eux-là qui se lèvent pour dire qu'eux, ils s'en vont aider un autre pays dans une guerre. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, là, les chefs d'état-major de la CEDEAO, là, ils sont réunis au Niger, au Nigeria. Ils sont réunis au Nigeria. Et aujourd'hui, là, le Niger sait en âme et conscience. Celui qui est en train de diriger le Niger, là, il sait en âme et conscience que l'intervention de la CEDEAO cette année-là, ça ne va pas louper. Merci beaucoup. Il y a un frère qui nous dit que le direct est attaqué parce qu'il sait que quand le Zoulou de Bogota est en direct, à la 7e minute, on doit être au moins sur les 400 personnes connectées, les 500 personnes connectées. Donc, il dit que le direct est attaqué. Donc, il vous demande à vous, mais pas à moi, parce que je ne peux pas mettre le direct alors que je ne peux pas pomper les cas alors que je suis en direct. Il vous demande de mettre les cœurs. Il vous demande de mettre les cœurs pour sécuriser le direct. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Le peuple du Niger sait qu'il ne peut pas compter sur ces personnes-là. Et aujourd'hui, dans la réalité, ça dit vous n'êtes pas capable. Ce que le peuple de Côte d'Ivoire vous demande aujourd'hui, pardon, ce que le peuple du Mali vous demande aujourd'hui, nous savons que vous êtes forts. Mais au lieu d'aller aider les autres, Trapatoni Traoré, salut à toi depuis ta position. Touré Fatou, salut à toi. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour protéger le direct. Mettez les cœurs. Mon très cher grand frère Adam Sopit Traoré, depuis ta position, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Pompez les cœurs pour sécuriser le direct. Pompez les cœurs pour sécuriser le direct. La seule manière de protéger le direct, c'est ça. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, les putschistes du Niger, ceux-mêmes qui dirigent le Mali et qui veulent se jouer les gros dos, vous-même, la CEDEAO n'est pas allée vous attaquer. Ça dit, on ne vous a pas attaqué. Mais on vous a donné seulement des sanctions. Vous avez pleuré partout ici. Vous avez pleuré sur tous les toits. Vous avez dit que les sanctions de la CEDEAO là, ne peuvent pas vous changer, ne peuvent rien vous faire. Mais après là, vous êtes passé par tous les moyens pour demander pardon, pour qu'on vous en aime. Tellement vous-même, vous êtes des menteurs. Vous avez dit ici que vous allez quitter la CEDEAO. Vous avez promis à votre peuple que vous allez quitter la CEDEAO. La CEDEAO même vous a demandé de partir. Les ressortissants des autres pays de la CEDEAO là, vous ont demandé de partir. Mais vous n'avez pas eu le courage de partir. Parce que dans la réalité, vous-même vous savez. Ça dit que la CEDEAO peut trembler. Quand la Côte d'Ivoire, par exemple, dit qu'ils vont sortir de la CEDEAO tremble. Si le Nigeria dit qu'ils vont sortir de la CEDEAO, là, la CEDEAO peut trembler. Mais de vous en moi, de vous en moi, vous vous apportez quoi à la CEDEAO? Non, vous vous apportez quoi à la CEDEAO? Vous apportez quoi à la BCAO? Vous apportez quoi à la CEDEAO? Vous apportez quoi à la BCAO? Vous apportez quoi à l'Union africaine?
Je vois des gens qui sont là qui disent que le Niger est trop grand. Mais il y a un problème. Ce que les gens ne comprennent pas, ça dit qu'il faudrait que cette logique-là, maintenant, ça sorte dans votre tête. Quand je vois des Maliens qui disent que le Mali est trop grand, non, 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 le Mali n'est pas grand. Le Mali est un grand pays, mais ce n'est pas un grand État. Le Nigeria, le Niger, c'est un grand pays, mais ce n'est pas un grand État. Mais dans la réalité, là, la Côte d'Ivoire est un petit pays. On veut parler de la superficie. Mais est un grand État. Parce qu'aujourd'hui, là, ce que vous devez comprendre, ces pays-là qui parlent, depuis que le Mali est Mali, il faudrait que les gens rappellent à nos frères maliens que tout le CFA qu'eux, ils sont en train de manger jusqu'à preuve du contraire, c'est la signature d'un Ivoirien qui est toujours dessus. C'est la signature d'un Ivoirien qui est dessus. Vous voulez faire croire que les pays, il y a certains pays-là qui sont les marionnettes de la France. Le Nigeria ne parle pas français. Le Ghana ne parle pas français. Le Libéria ne parle pas français. Vous voulez faire croire aux gens que les sanctions, ça dit que c'est la sanction de la CEDEAO là seulement là, qu'on a mis sur le Mali. Mais aujourd'hui, le Niger se trouve dans une position. Même l'Union européenne l'a sanctionné. L'UMOA l'a sanctionné. Mais vous voulez vous asseoir et puis vous voulez raconter du mensonge aux gens. Vous faites croire aux gens, vous mentez aux gens pour dire que le gouvernement de la Guinée a dit que si on s'attaque au Niger, que eux ils vont sortir pour venir intervenir. Alors que dans la réalité, ils ne vous ont rien dit. Tellement vous êtes dans la manipulation. Ça dit que y a certaines personnes, quand ils parlent de la Côte d'Ivoire, et puis après tu t'approches d'eux, tu leur poses la question, mais mon frère, tu es de quel pays? Il te dit non, je suis Camerounais. Il te dit non, je suis Guinéen. Il te dit je suis Malien. Il te dit non, je suis Burkinabé. Et puis tu lui poses la question. Mon frère, bon, tu es Burkinabé, c'est normal. Tu es Malien, c'est normal. Tu es Guinéen, c'est normal. Tu es Camerounais, tu es Gabonais, c'est normal. Mais est-ce que tu as mis pied une fois en Côte d'Ivoire? Non, je n'ai jamais mis pied en Côte d'Ivoire. Bon, qu'est-ce que tu sais de la Côte d'Ivoire? Non, Ouattara, c'est un dictateur. Mais Ouattara, c'est un dictateur, là, c'est ton pays. Tu as déjà été là-bas. Tu n'as jamais été là-bas. Ce qui même me fait rire dans ce genre de choses, c'est que je vois des gens qui vont s'asseoir sur certaines chaînes, qui sont organisées, parce que les gens sont sur les réseaux sociaux. Mais nous, là, nous, on n'a pas un deuxième pays. Je vois ces gens de personnes qui sont nées en Côte d'Ivoire, grandies en Côte d'Ivoire, et qui vont s'asseoir et qui insultent la Côte d'Ivoire. Mais toi, la seule phrase que tu devais dire à la Côte d'Ivoire, la seule prière que tu devais dire à la Côte d'Ivoire, ça veut dire que toi, quand tu te lèves chaque matin, tu devais demander à Dieu de protéger la Côte d'Ivoire. Tu devais demander à Dieu de protéger la Côte d'Ivoire. C'est toi qui veux venir te présenter comme un ennemi de la Côte d'Ivoire. C'est toi qui veux venir t'asseoir pour nous parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Ça veut dire que toi-même, tu t'assois. Ce n'est pas le Zoulou de Bogota qui doit te parler. Tu sais même que tu n'es pas né en Côte d'Ivoire. Tu sais que tu n'es pas ivoirien. Tu sais que tu n'as pas maman ivoirienne ni papa ivoirien. Mais c'est toi qui t'assois. Alors que tu as grandi en Côte d'Ivoire. Alors que tu es venu en Europe ici, c'est par la Côte d'Ivoire que tu es passé. Et c'est toi qui veux venir t'asseoir. Pour insulter la Côte d'Ivoire. C'est toi qui considères que la Côte d'Ivoire est derrière. Mais c'est toi qui n'as pas le courage de t'asseoir et de dire aux gens dans la réalité que tu n'es pas ivoirien d'origine. Et quand tu leur dis ça, ils te disent non, c'est mauvais. Voilà des gens pour lesquels nous avons été combattus sur la terre de nos ancêtres.
Voilà des gens pour qui, hier, nos frères du sud, de l'ouest, nous ont combattus. Et qui nous disaient ce que vous êtes en train de défendre aujourd'hui. Soyez-en sûrs, tôt ou tard, c'est ceux-là qui vont prendre aiguille pour mettre dans vos oreilles, dans vos yeux, dans vos yeux. Cela nous disait hier. Tôt ou tard, ceux que vous défendez aujourd'hui, ceux pour qui vous êtes prêts à nous affronter aujourd'hui, ceux pour qui vous êtes prêts aujourd'hui à régner à nous, sachez une chose. On prie que Dieu vous donne longue vie. C'est ceux-là demain qui vont prendre aiguille pour mettre dans vos yeux. Et comme Dieu sait faire les choses, c'est ce genre de personne qui vient voir sur les réseaux sociaux. Et puis il est là, il dit Ouattara, c'est Burkinabé. Et puis je m'assois, je le regarde, j'ai ri. Hey, toi, tu peux dire Ouattara qu'il est Burkinabé. Mon frère, toi, tu peux dire Ouattara qu'il est Burkinabé. Toi, tu peux dire Ouattara qu'il est Burkinabé. Toi, tu peux dire au président Ouattara qu'il est Burkinabé. Il y a d'autres même. Hier, ils étaient Guinéens. Après, ils sont devenus Ivoiriens. Après, ils sont devenus Maliens. On les voit. Ça dit que hier, ils étaient Guinéens par le commencement. Ils sont devenus Ivoiriens après. Après, ils sont devenus Maliens. Il y a d'autres qui hier étaient Ivoiriens. Après, ils sont devenus Guinéens. Après, ils sont devenus Ivoiriens encore. Et après, ils sont devenus en même temps Maliens. Ceux-là, on les connaît. Ceux-là, on les connaît. Mais ça doit rentrer dans vos oreilles une fois pour toutes. Parce que nous, on sait pourquoi nous, on se bat pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Pourquoi nous, on ne veut pas qu'il y ait de coup d'État dans notre pays? Parce que dans la réalité, c'est ça. Parce que s'il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, ton passeport guinéen que tu as caché là, tu vas le faire sortir. Ton passeport malien que tu as caché là, tu vas le faire sortir. Ton passeport burkinabé que tu as caché là, tu vas le faire sortir. Par contre, moi, Zulu de Bogota, je n'ai pas de passeport burkinabé caché. Je n'ai pas de passeport malien caché. Je n'ai pas de passeport guinéen caché. Mais et c'est ce qui est la vérité. Et partout, quel que soit ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, même quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, même quand Bédié, paix à son âme, qui est décédé hier, était au pouvoir, je n'ai jamais renié du fait que je suis ivoirien. Oui. Malgré ce que Gbagbo est en train de faire, malgré ce que Bédié est en train de faire, ça ne m'a pas empêché d'aller dans mon pays. Ça ne m'a pas empêché d'aller dans mon pays. Mais aujourd'hui, là, ceux qui s'asseyent, certains qui s'asseyent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui insultent le président Ouattara, qui considèrent que les Bitogo, que les Kadia Camara sont étrangers. Eh mon frère, tu as oublié hier. Tu as oublié hier quand tu t'amusais dans la boue à Daloa. Mais ce que tu oublies là, mon frère, il y a des militants du RHDP qui sont nés à Daloa, grandis à Daloa. Il y a d'autres qui sont nés à Bobo, grandis à Bobo. D'autres sont nés à Man, grandis à Man, et qui vous ont vu. Qui vous ont vu grandir. Il y a d'autres, eux-mêmes, ils savent en âme et conscience, qui se promenaient dans les rues de Mans, en train de charger les cars. Et qui aujourd'hui, qui veulent nous dire qu'eux, ils connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire que nous. Eh mon frère, tu ne peux pas connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire que nous. Tu ne peux pas connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire que nous. Là, ça dit que dans la réalité, en voici un autre. En voici un. Dit le roi. Mais ce que je dis là, mon frère, c'est de toi que je parle. Toi qui n'es pas fier, va regarder ma page Facebook. J'ai mis mon nom, mon vrai nom. Regarde ici, ma très chère grande soeur, Adja Konate Doumia Touré. Regarde ici, grand-marie. On a le courage de mettre nos vrais noms. Oui. On a le courage de mettre nos vrais noms. Regardez mon Facebook. J'écris toujours Sanogo Momalou.
Et partout où je parle, partout où je passe, je dis aux gens que je suis du Bafin. Je dis le nom de mon village. Parce que je ne suis pas un usurpateur. Oui. Tu vois des Traoré qui te disent qu'ils sont nés à Man. Il te dit qu'il est né à Dadoua. Et puis pendant les vacances, il te dit, je m'en vais à Oudéni. Je m'en vais à Korogo. Tu vois un Sanogo qui est né à Touba, à Amman. Et puis pendant les vacances, il te dit que je vais chez moi au village. Mais on connaît ces Traoré qui te disent, moi c'est mon village. On connaît ces Camara, ces Touré-là qui te disent que moi c'est mon village. Non, non, non. Moi je suis né à Diglo. J'ai grandi à Diglo. J'ai fait mon école primaire à Diglo. J'ai fait le lycée moderne de Diglo. Mais Diglo, ce n'est pas mon village. Je suis né à Diglo, mais Diglo, ce n'est pas mon village. Je ne suis pas guéri. Mais à partir du moment où tu vas voir Zulu de Bogota, un Sanogo te dit, je suis Sanogo de Diglo. Je suis Sanogo de Diglo. Mais lui-même, il sait en âme et conscience que Sanogo de Diglo, là, ça n'existe pas. Oui. Tu le vois, il tape sa poitrine. Et puis il dit, je suis Traoré de Dawa. Mais même l'histoire de Traoré, eux, ils savent que c'est pas comme ça. Tu le sais en âme et conscience. Tu le sais en âme et conscience. Ah, Bagari Diawara. Ah, donc ça là, c'est question de haine. Ça dit que quand toi tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux et puis tu veux qu'il ait guerre dans mon pays là-haut. Tu veux qu'il ait coup d'état dans mon pays là-haut. Toi tu n'aimes pas la haine. Toi Diawara, pourquoi toi tu te fâches? Est-ce que j'ai dit ton nom? Hein? Djibril Bonkungu Bekwala. Toi ça te fait mal pourquoi? Ce que j'ai dit là, toi ça te fait mal pourquoi? Non, pourquoi toi ça te fait mal? Est-ce que toi j'ai dit ton nom? Hein? Si tu vois que ça te fait mal, c'est que ce que j'ai dit là, ça te concerne. C'est que tu es dans le lot de ces personnes dont je parle. Ça dit que vous venez vous asseoir, vous insultez, vous voulez qu'il ait coup d'état dans mon pays. J'ai dit, quand je te vois, et puis tu me dis que toi tu veux qu'il ait coup d'état dans mon pays. Je te dis que tu n'es pas ivoirien. Oui, oui. C'est de ça que je parle. Quand je vois quelqu'un qui souhaite un coup d'état dans mon pays, je te dis, tu souhaites le coup d'état parce que tu n'es pas ivoirien. Et c'est ça qui vous fait mal. Voilà des gens aujourd'hui qui sont là. Parce qu'Henri Konabedi est décédé. C'est vous qui allez faire les commentaires sur les directs où les gens sont en train d'accuser le président Ouattara. Voilà des gens qui pensent que Henri Konabedi est décédé parce que la RTI n'a pas donné l'information. Ça vous fait mal. Mais vous, les haineux qui parlez, vous, les plaisantins qui parlez, aujourd'hui, là, chez la famille Henri Konabedi, là, le premier qui allait saluer là-bas, c'est le président Ouattara. C'est le premier qui allait saluer la famille du président Henri Konabedi, c'est le président Ouattara. Bon, vous allez venir nous dire quoi? Vous pouvez connaître l'histoire des gens, des pervers, des gens qui n'ont rien dans la tête, des gens qui veulent tout politiser, des gens qui veulent mettre tout dans la politique. Mais mon frère, si tu parles, si tu viens t'asseoir et que tu dénigres la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, et puis on sait que tu es un Koné, et puis on sait que tu es un Diawara, et puis on sait que tu es un Koné, et puis on sait que tu es un Sanogo. Tôt ou tard, là, les gens vont te dire la vérité. Ceux avec qui tu as grandi, là. Ceux avec qui tu es né, là. Ceux avec qui tu as fait l'enfance, là. Il y a d'autres qui vont sortir pour dire, Zulu de Bogota, c'est lui qui parle, il faut le laisser. On a grandi à Dalou ensemble. Il faut lui demander bien. Il va te dire. Si tu vois qu'il veut le mal à la Côte d'Ivoire, là, c'est parce qu'il n'est pas ivoirien. Et quand on vient te dire ça, ça te fait mal. Non, ça ne doit pas te faire mal. Si toi, tu sais que tu as toujours souhaité le bonheur à la Côte d'Ivoire, ça ne doit pas te faire mal. Oui. Ça ne doit pas te faire mal. Parce que moi, je le dis haut et fort, je suis en Europe ici, j'ai la nationalité italienne.
Mais moi, aujourd'hui, s'il y a un pays dans le monde entier qui se lève et qui s'attaque à l'Italie, je vais défendre l'Italie. Oui, je vais défendre l'Italie. Parce qu'au-delà de ma nationalité ivoirienne, j'ai la nationalité italienne. Je vais la défendre. Mais et ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est tout à fait normal. Et tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, là, c'est ce qui est la vérité. Et ça ne doit pas te faire mal. Si ce n'est pas ton cas, ça ne doit pas te faire mal. C'est une réalité. Il faudrait qu'on se regarde yeux dans les yeux. Il faudrait qu'on se regarde yeux dans les yeux et puis on va parler. C'est de ça. Et quand on parle de ça, vous n'avez pas le courage de donner vos vrais noms. Non, donnez vos vrais noms. Non. Ici, là, nous ne sommes pas dans un discours d'ivoirité. Je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Même les pervers du PDCI qui ont parlé de l'ivoirité hier, ceux qui ont créé l'ivoirité hier, c'est eux qui viennent s'asseoir aujourd'hui pour dire que nous, on a divisé. Mais c'est vous qui avez envoyé l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Mais tellement vous êtes perdus. Henri Kona Bédié est décédé aujourd'hui. Que son âme repose en paix. Celui qui a envoyé le discours de l'ivoirité en Côte d'Ivoire, vous-même qui êtes ses propres militants, vous ne voulez pas pleurer vous-même, hein, mais vous êtes plus préoccupé par le fait que le militant du RHDP vienne pleurer. Non. On n'est pas dans ça. Le président Ouattara est le président de la République. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'écrire RIP. Ça s'arrête là. Mais vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à venir pleurer avec vous. Non. Parce que quand Amadou Gon Coulibaly est décédé en Côte d'Ivoire, on n'est pas allé frapper à la porte des militants du PPAC, du FPI ou bien du PDCI pour dire venez pleurer avec nous. Mais bien au contraire, pendant que nous étions en train de pleurer, vous étiez en train de rire. Pendant que nous étions en train de pleurer, vous étiez en train de nous dire, ce n'est que le début du commencement. Pendant que nous étions en train de pleurer, vous nous aviez dit, ce n'est que le début du commencement. Vous n'avez pas encore bien pleuré. Mais attendez, ça s'est passé. Quand Ahmed Bakayoko est décédé, que son âme repose en paix, vous nous aviez dit, on vous avait dit que Amadou Gon Coulibaly était que le début du commencement. Mais vous n'avez pas cru. Voilà le tour d'Ahmed Bakayoko qui est arrivé. Mais asseyez-vous tranquille. Ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. D'autres même sont venus s'asseoir pour dire, mais Dieu, pourquoi tu fais ça? Tu t'en vas prendre Amadou Gon Coulibaly. Tu t'en vas prendre Ahmed Bakayoko. Tu t'en vas prendre Amadou Soumaoro. Est-ce que c'est lui, c'est cela que nous on t'a dit de prendre? Celui qu'on t'a dit de prendre là, il s'appelle Ouattara. Il faut le prendre. C'est d'abord par lui que ça doit commencer. Est-ce qu'on vous a dit quelque chose? Hein? C'est par lui qu'on doit commencer. Alice Précou. Que oui, arrêtez de faire le buzz. Ah donc, ce que vous avez fait hier, là, c'était buzz alors. Non, ce que vous avez fait hier, là, c'était buzz. Attends, ce que vous, là, vous avez fait hier, là, c'était buzz. Donc, ça veut dire que vous vous attendez quoi? Non, vous vous attendez à quoi? Tout ce que nous on peut faire, c'est de souhaiter RIP au président Henri Kona Bédié. Mais sachez une chose, hein. Chers frères et sœurs, même moi, Zulu de Bogota, si je ne suis pas de ce monde demain, je ne dis pas toute la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique peut venir dire RIP. Mais dans la réalité, là, tous les RIP, là, vous avez fini de dire tout ça. Vous avez fini de faire toutes vos prières. Mais le compte rendu de mon temps que j'aurais passé sur cette terre-là,
je vais rendre compte. On va me poser les questions sur chaque acte que j'ai posé. Et ça, il n'y a pas de débat dedans. Ça dit que vous, hier, pendant que les gens étaient en train de pleurer, vous avez pris aigu, vous avez mis ça dans nos yeux, pendant qu'on était en train de pleurer. Pendant qu'on était en train de pleurer, vous avez pris les aigus, vous avez mis ça dans nos yeux. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on dépose un plateau devant vous? On ne peut pas placer de plateau devant vous. On ne va pas se réjouir comme vous aviez fait hier. On ne va pas vous dire que ce n'est que le début du commencement. Parce que ça ne fait pas partie de notre éducation. Ça ne fait pas partie de notre éducation. Ça ne fait pas partie de notre éducation. Parce que nous nous sommes convaincus que même Henri Konan Bédié, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, il a nommé des enfants du Nord dans son gouvernement. Il a nommé des Koyara dans son gouvernement. Il a nommé des Mauka dans son gouvernement. Il a nommé des Senoufo dans son gouvernement. Donc nous n'allons pas nous réjouir. Nous n'allons pas nous réjouir. Mais que ces criminels qui sont là aujourd'hui et qui prétendent que nous devons tout déposer, nous devons arrêter tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a déjà trop fait. Il y avait demain l'inauguration du 5e pont. Ça a été reporté pour le respect d'Henri Konan Bédié. Le président Ouattara s'est déplacé avec sa famille pour aller saluer la femme d'Henri Konan Bédié. Et nous sommes dans cette démarche. Nous respectons la dépouille mortelle du président Henri Konan Bédié en tant qu'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, nous le respectons. C'est un devoir, c'est une obligation pour nous en tant qu'Ivoiriens. C'est une obligation morale pour nous de respecter Henri Konan Bédié en tant qu'être humain. Mais si nous devons aller sur le plan politique, si nous devions aller sur le plan politique, nous n'avons rien à lui dire. Nous n'avons rien à lui dire. On ne peut pas dire hier qu'on a dit sur les réseaux sociaux qu'il n'a rien fait, qu'il est le propriétaire de l'ivoirité en Côte d'Ivoire, qu'il fut le père de l'ivoirité dans le combat politique ivoirien. Et puis venir dire aujourd'hui le contraire. Non, 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 on ne peut pas dire le contraire. Même toi-même qui parles, tu sais que ce que j'ai dit là, c'est vrai. Oui. Même ce que je suis en train de dire, vous-même, vous savez que c'est vrai. La dernière, en 2020, nous ne pouvons pas venir dire aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Il fut l'initiateur du CNT en Côte d'Ivoire en 2020. Il fut celui qui a eu le courage de demander aux enfants des gens de sortir pour une désobéissance civile en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas venir nous demander de venir dire le contraire de ce que nous on a dit hier. Nous on ne peut pas venir dire aujourd'hui le contraire. On ne peut pas venir dire non, ce n'est pas lui. Non, non, non. Lui-même, il a fait des déclarations sur ça. Oui. Race Kébé, officiel, salut à toi, mon petit frère, depuis ta position. Vous ne pouvez pas venir nous dire le contraire. Oui. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, vous êtes en train de soutenir aujourd'hui des coups d'État pour votre haine que vous avez contre le président Ouattara. Mais soyez sûrs d'une chose. Les chefs d'État-major de la CEDEAO sont réunis au Nigeria. Et ne vous pressez pas. Et ne vous pressez pas. Après le Niger, il n'y aura pas de coup d'État en Afrique de l'Ouest. Oui. Après le Niger, il n'y aura pas de coup d'État. Ceux qui ont fait le coup d'État au Niger là, vont partir. Il n'y a même pas de débat dedans. On va les faire partir. Et puis maintenant, ceux qui ont fait les discours pour dire que si on intervient au Niger là, ils vont venir intervenir. On les attend. Des affamés, des gens qui ne sont même pas capables d'assurer la sécurité de leur propre population. Des gens qui sont même dans leur palais présidentiel et qui ont peur.
Des gens qui perdent toute la nuit en train de sursauter dans leur lit. Des gens qui se lèvent tard dans la nuit pour s'asseoir et appeler pour demander tout va bien. Les gens comme les Assimi Goïta. Les gens comme le capitaine Ibrahima Traoré. Des gens qui ont le sommeil troublé la nuit. Parce qu'ils sont conscients d'une chose. Là où ils sont assis, ce n'est pas leur place. C'est eux qui vont venir s'asseoir pour menacer la CEDEAO. Des gens qui ont quitté l'Afrique en disant à leur peuple qu'ils sont leur espoir, qu'ils s'en vont parler avec Poutine et qu'ils sont allés demander le blé. Des gens qui eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont incapables d'assurer la sécurité de leur propre pays. Des gens qui sont incapables aujourd'hui de payer les fonctionnaires de leur pays. Des gens qui, devant eux, ont tué matin, midi et soir dans leur pays, dans leur propre pays, des soldats. Ceux-là viennent s'asseoir pour dire que eux, ils vont aller aider le Niger à faire une propre guerre. Une guerre. Depuis quand? Depuis quand? Quelqu'un qui n'est même pas capable d'assurer la propre sécurité de son pays est capable d'aller aider quelqu'un d'autre à faire une guerre. Depuis quand des gens incapables, des gens qui ne connaissent même pas la raison pour laquelle ils sont en pays et qui se lèvent pour dire qu'ils s'en vont aider quelqu'un d'autre pour assurer la sécurité de leur pays. Des gens qui vont défendre quelqu'un alors que ce pays-là est même plus sécurisé que toi, ton propre pays. Ça veut dire que toi, tu vas aller défendre quelqu'un qui est plus sécurisé que ton propre pays. Et c'est toi qui dis que tu vas aller le défendre. Un pays qui est dirigé par un général qui est incapable de lui-même se défendre. Et c'est toi un petit capitaine. Et c'est toi un colonel nommé par lui-même. C'est ceux-là qui disent qu'ils s'en vont aider. Des gens qui n'ont même pas été capables, des gens incapables de payer les fonctionnaires de leur propre pays, sont capables de venir s'asseoir et dire qu'ils vont envoyer des militaires pour aller aider quelqu'un. De quel militaire vous parlez? Non, de quel militaire vous parlez? Ces militaires que vous êtes même incapables de payer, ces mêmes militaires dont vous êtes incapables de leur garantir un meilleur avenir. De quels militaires vous parlez? Ces militaires même qui sont incapables de payer la scolarité de leurs propres enfants, compte tenu de la misère que vous leur donnez comme salaire, c'est de ces militaires que vous parlez. De quels militaires vous parlez? Des militaires qui sont pleins de crédit, des militaires qui sont incapables de vivre avec leur propre salaire, c'est de ces militaires que vous parlez. De quels soldats parlez-vous? De quel chef d'État parlez-vous? Vous êtes des chefs d'État? Vous êtes des chefs d'État? Vous qui reconnaissez que vous êtes des gouvernements de transition qui font 3 ans? Un gouvernement de transition qui fait 3 ans, ils ne sont rien d'autre qui se sont accaparés du pouvoir. Bande de plaisantins que vous êtes. Vous n'avez même pas été capable de vous en sortir avec seulement les sanctions seulement de la CEDEAO. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Tout est en train de partir très rapidement. Tout est en train de partir rapidement. Regardez aujourd'hui. La France est en train de faire sortir ses ressortissants. La France est en train de faire sortir ses ressortissants. Mais pas seulement les ressortissants français. La communauté européenne est en train de faire sortir ses ressortissants. Mais parmi ces ressortissants, ce qui fait encore plus rire dedans, il y a des Nigériens même d'origine qui ont la nationalité française, qui ont embarqué et qui ont quitté le Niger. Chers frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire des gens qui sont Nigériens d'origine. La communauté, c'est-à-dire la France fait sortir ses ressortissants. Des Nigériens même qui sont Nigériens d'origine et qui ont la nationalité européenne. On leur dit, on va faire sortir les ressortissants européens. Et puis eux, ils sortent. Mais vous devez avoir le courage de reconnaître que ça ne va pas. Vous devez avoir le courage de reconnaître que vraiment c'est honteux ce qui est en train de se passer.
Chers frères et sœurs, c'est à votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position. Koniba Traoré, salut à toi depuis ta position. C'est à votre frère le Zoulou de Bogota, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Je vous remercie depuis vos positions. On est ensemble. Chers frères et sœurs, tout est en train d'aller rapidement. Les chefs d'état-major de la CEDEAO sont réunis au Nigeria. Les grandes décisions sont en train d'être prises. Sachez une chose, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais même le peuple nigérien, même le général aujourd'hui qui dirige le Nigeria, le Niger, sait en âme et conscience que cette intervention-là, il y a deux choses. Ou il donne le pouvoir, ou on va les enlever avec la force. Et il n'y a pas de débat dedans. Il n'y aura pas de discours dedans. Ok. Chers frères et sœurs, je vous remercie. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci.